projet de la semaine. Cette semaine, je vais aller davantage sur le terrain, notamment pour avancer sur la partie photographie et vidéo, notamment parce que j'ai été vendredi sur Landerneau. J'ai fait des photos à la gare routière de Landerneau, au centre-ville et aussi aux alentours, notamment à la sortie de la gare routière. Et je me rends compte que pour mettre en valeur les transports, ce qui est le plus sympa à faire et ce qui est le plus aussi représentatif, c'est de faire des photos en situation réelle. Je vais donc aller un peu plus souvent sur le terrain, c'est l'objectif de la semaine, notamment sur des services scolaires, sur des services de ligne régulière. Alors quand je dis plus souvent sur le terrain, en tout cas pour quand je te parle de photos, ça sera à l'extérieur. Ça peut être par exemple à la sortie d'établissement scolaire pour avoir des photos de groupe, des véhicules par exemple réunis. Ça peut être à un arrêt précis sur un service scolaire. Alors là, ce sera plutôt le soir parce qu'en ce moment, on arrive sur la période d'hiver, donc ce qui fait que le matin, par exemple, il fait nuit. Et l'idée, c'est de mettre en valeur le travail des différents transporteurs avec des photos prises en situation réelle. Et ça tombe bien parce que dans la partie occasionnelle, il y a un important rassemblement d'autocars à Carré mercredi. Donc c'est demain, parce que là quand je diffuse cette vidéo ça va être le mardi, donc ça va être le lendemain, donc c'est-à-dire mercredi. À savoir qu'il y a un cross, il me semble, régional, et il y aura donc des transporteurs de toute la région qui vont arriver à cet endroit-là. Je vais faire en sorte d'aller sur place pour notamment faire des séquences quand les véhicules vont arriver et pour faire aussi des photos pour mettre en valeur aussi les services occasionnels. Ça c'était la partie professionnelle. Sur la partie personnelle, en termes de montage, je vais enfin commencer le réseau Yello, à savoir le fameux montage que j'ai prévu de faire déjà depuis quelques temps, avec les séquences que j'ai tournées l'été 2023, donc ça fait bientôt un an et demi, et ça va me permettre aussi de le diffuser et que tu puisses le regarder avant la fin de l'année 2024. C'est la fin de ces projets de la semaine et nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau projet de la semaine. Salut !